l'intention de créer quelque chose, de proposer quelque chose de nouveau en termes d'interaction et de collectif pour arriver à faire en sorte qu'on catalyse une énergie nouvelle et qu'on mette à disposition nos expertises, mais aussi nos enjeux, nos questions. Et j'ai trouvé ça assez passionnant. Je suis engagé en tant que président parce que j'ai adoré l'énergie en tant qu'industriel. On rêvait de mettre en place ce qu'on n'osait pas faire. Et là, quelque chose qui allait plus loin, c'est de se dire allons même jusqu'à partager nos irritants, partager notre quotidien, faire en sorte qu'on partage nos expertises. C'est un moment où on parlait de cette industrie 4.0. Et très naturellement, j'ai trouvé que pour Aldès, c'était une bonne façon d'aider, d'accompagner nos équipes à mieux s'engager en fait dans une autre façon de voir l'industrie. Moi, je souhaite que la ruche garde son côté du ensemble, de faire avec cette dynamique, de faire avec cette curiosité. Continuer à garder ce regard d'enfant sur les choses, ce qui n'enlève pas l'importance de l'expertise. Je souhaite que la ruche aussi puisse aider à contribuer à trouver les bons modèles industriels. On parle beaucoup des enjeux de réindustrialisation en France. Et parler de réindustrialisation, c'est parler de compétitivité mondiale. Donc d'être au niveau des leaders mondiaux sur le plan industriel. Et la ruche a toute sa place pour nous aider, nous industriels, justement à faire en sorte que nos industries sur le territoire français puissent être au niveau de ces leaders mondiaux.